Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'installation du mode Third Edge Total War Divide and Conquer version 4.5. Il y a un mois environ, la version 4 est apparue sur ModDB et Mediafire. Je vous mettrai les liens dans les descriptions. Mais ils ont réussi à faire une version 4.5 qui est plus stable, avec correction des bugs. Il y avait des petits soucis, je me souviens, pour certains champs de bataille, comme la cité d'Arnor qui s'appelait Anuminas. Donc c'est l'ancienne capitale, je crois. Une des anciennes capitales, une grande cité, je ne sais plus du tout dans le lore. Et je vous mettrai les liens dans les descriptions où trouver la version 4.5. Il faut savoir que cette version 4.5 d'abord elle est moins lourde que la version 4. La version 4 elle était environ à 7 Go 500, un truc comme ça, et je crois qu'ils l'ont. La version 4.5 elle fait environ 6 Go 5 à peu près, voire 6 Go 6, donc ils ont réduit d'un giga, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, je vais procéder à l'installation du mode. Donc là, cette fois, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin du, je tiens à vous le préciser, du mode du patch, enfin. Du patch 3.0 et du patch 3.2, tout est inclus directement. Donc ça fait un gros gain de place et de temps. Donc on va exécuter quand même. Version Divided Conquer VK 4.5 exe, oui. Voilà. Donc là ça va être le système actuel. Donc là on arrive sur le chemin d'installation. Donc il y a un changement, je vais tout de suite vous le montrer. Pour les utilisateurs de Steam. Donc ce sera Steam Apps Common Medieval de Total War. Donc moi je vais dans mon data parce que Steam est là. Je choisis Steam, Steam Apps. Ensuite c'est Common. Et il doit trouver Medieval de Total War. Le chemin c'est ça, il ne faut pas faire de sub-fichier ou autre. C'est Medieval de Total War le dernier, point barre. Voilà. Si vous voyez ce message-là, ça veut dire que c'est le bon endroit. Si vous n'avez pas ce message-là, folder exist, ça veut dire que vous vous êtes trompé de chemin. Voilà. Hop. L'installation va prendre un petit moment pour ma part. Je vais couper la vidéo à ce moment et je vous retrouve une fois l'installation terminée pour la suite Très des bien, je vous opérations. retrouve après l'installation. Donc vous allez avoir cette fenêtre large address aware qui va s'ouvrir une fois l'installation du principal terminée. Vous allez cliquer sur les trois petits points. Donc, vous faites bien attention, vous vérifiez que vous avez bien votre disque dur en premier parce que ça m'est déjà arrivé de l'oublier, ça ne marchait pas. Donc, vous allez dans Steam, Steam Apps, Common, Medieval 2, Total War. Vous sélectionnez l'installateur Medieval 2 ou Kingdom selon le nom que vous avez, c'est le même dans tous les cas. Vous cliquez, vous vérifiez que l'étape 2 est bien cochée. Vous enregistrez. Vous quittez large address aware et ensuite vous pouvez voir si Divide et Conquer fonctionne. Si vous avez un message qui dit que vous n'avez pas trouvé le bon fichier, c'est que vous avez oublié quelque chose ou que vous avez mal installé le mode. Donc voilà. Bienvenue sur la version 4.5 de Divide et Conquer. Par contre, première chose que je vais faire, c'est baisser le son. Alors, voilà donc. Je vais appliquer les changements. Je laisse les sous-titres, bien sûr. Concernant le mode de jeu, donc vous avez deux jeux, deux campagnes. Vous avez la guerre de l'anneau, avec les alliances classiques et toutes les factions. Donc le bien, le mal et tout le tralala. Et vous avez ce qu'ils appellent les campagnes alternatives. Donc Shattered Campagne. En gros, pour faire simple, c'est pour vous dire que dès que vous démarrez la campagne, donc c'est la même intrigue, hein, mais toutes les factions sont neutres entre elles. Ça veut dire que les gentils peuvent se taper entre eux, les méchants peuvent se taper entre eux, les gentils peuvent s'allier avec les méchants, et les méchants peuvent s'allier avec les gentils. Ouais. Et moi, je pense que pour mes séries, je vais partir sur le mode campagne alternative, tout simplement, parce que il y a toujours eu que de la guerre de l'anneau simple et tout, mais je pars du principe que dans un Total War, les alliances, hein, que ce soit les gentils ou les méchants, à un moment, il faut savoir se taper un peu dessus pour faire la part des choses. Voilà pour mon canon. C'est pareil. Donc je compte recommencer pour ma part, c'est l'heure de, c'est la minute de placement de produit. Refaire ma série sur l'Isengard. Par contre, je vais y aller en victoire courte. 30 régions comme en intérieur, je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai déjà des objectifs en tête, je les expliquerai au moment que je lancerai ma série. On a aussi des scripts, donc chaque faction, certes, beaucoup de factions ont des scripts, donc par exemple, j'en ai parlé un petit peu
Alors, est-ce qu'on l'a? Non. Denethor là, ne l'a pas, ce script-là, en fait. Dans la guerre de l'anneau, il a un script concernant sa folie, ce genre de choses. Est-ce que les elfes... Les hauts elfes... Oui. Il y a deux possibilités avec les hauts elfes, par exemple. Il y a le retour des Glorfindel. Donc, de mémoire, il faut avoir 15 régions ou conquérir la capitale de Langmar, Carndoom. Et vous avez le héros Glorfindel qui revient vous prêter assistance avec une unité de garde du corps, c'est la cavalerie, mais moi. Et Gwaith Ir Merdern, donc il y en a deux. Soit c'est pour la forge des régions, je ne sais plus. Soit c'est le retour de ses deux fils jumeaux, Eladon et Elrohir. C'est l'un des deux. Il y aura des conditions à faire. Et j'en ai un dernier. Ils sont où les nains? Les nains des montagnes bleues. Les Redwynes. Ah, il y a tellement de blasons. Ah, voilà. Est-ce qu'ils l'ont ce script-là? Oui! Ils l'ont. En gros, les nains des montagnes bleues ont un script spécial qui leur permet de rendre les anneaux donc, forgés par Sauron à Sauron. Ils devront être neutres, ne pas intervenir dans la guerre, ou ils peuvent les garder et taper les méchants, etc. S'ils les rendent à Sauron, par contre, ils se peuvent que les factions alliées comme les elfes, les nains des Rebor ou de Khazad-dûm viennent chez eux leur dire un petit bonjour avec des haches, des flèches, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà pour cette installation de la V4, point 5. J'espère qu'elle vous a plu, je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, pour suivre l'actualité de la chaîne et autres. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.